shooting vitamine C est sorti, donc je vais vous mettre une petite photo ce soir, trop hâte de vous montrer. Vraiment le résultat est oufissime, ils sont vraiment super professionnels et en plus de ça on a passé un super bon moment à le faire. Arthur normalement il déteste faire les shootings, genre c'est pas du tout son truc, mais du coup là pour le coup il trouvait ça vraiment agréable à faire, donc tant mieux. Cette semaine sinon qu'est-ce qu'on a prévu avec Arthur? On va collaborer avec Luxe Grand B qui a une chaîne ici à Maurice et vraiment ils ont ouvert un hôtel mais un délire, genre ça a l'air trop ouf cet hôtel, donc on a trop hâte d'y aller et en plus de ça c'est à 5 minutes de la maison, donc c'est un truc de ouf. Un bon moyen de créer du contenu encore pour vous donner envie de l'île Maurice, parce que pour le coup moi j'ai vraiment apprécié et j'aime bien le fait aussi de changer le contenu de mes réseaux sociaux parce que au final Dubaï je tournais un peu en rond, donc c'est bien de se renouveler. D'ailleurs en parlant de réseaux sociaux, il y a une formation qui existe si vous êtes intéressé par tous les métiers qui est relatif aux réseaux sociaux, que ce soit influenceur, e-commerçant ou même community manager. Une formation qui est 100% gratuite, éligible pour les résidents français et même les dom-toms ou tous ceux qui ont travaillé au moins pendant 2 ans. Si vous êtes éligible, swipez et renseignez le questionnaire qui est mis à votre disposition et quelqu'un viendra vous contacter. Il y aura un agent qui sera là pour vous accompagner tout le long de votre formation. Cette formation est 100% gratuite et prise en charge par l'État. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'ils offrent aux 25 premiers inscrits une tablette qui vous est offerte en fait pour vous aider à vous lancer dans le business. Pour l'instant, non, sachant que je n'y suis jamais allée. Je vais déjà partir en vacances l'année prochaine là-bas avec Damien et la petite. Ce sera nos premières vacances familiales et en plus pour voir Elsa et Arthur. Donc franchement, j'ai tellement hâte.